Salut à tous et à toutes, alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle partie de mon Pietro sur Watch Dogs. Alors on reprend exactement où on s'était arrêté, c'est-à-dire dans notre petite infiltration chez Irak. C'est reparti. Ça m'a affecté, mais j'étais protégé derrière. Hop, bon, pas grave. C'est pas grave. Je sentais que j'allais faire à un moment donné une connerie, que je pouvais pas faire la mission sans fail. Failer à un moment donné. Je reviens dans 30. Re les amis, excusez-moi. Hop, on reprend. Alors, hop, donc ça, c'est fait. Alors. Oh, plus personne ne veut bouger. Ah, un petit courageux. Hop, ça c'est fait, voilà, on avance petit à petit. Ok, pour le moment. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Bon, encore un gros. Il est mort? Ouais. Ok, les gros, ça va avec le lance. Je viens de récupérer au moins une nouvelle arme. Qui est vachement cool. Personne. Je venais de nulle part. J'avais rien demandé à personne. Mais maintenant. Voyez, qu'à regarder les infos.
quand même super cool cette arme. Super cool. Super cool. Ok, ça c'est fait. C'est pas ce que je voulais faire. Oh putain, fais chier. Désolé, désolé, désolé. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Je voulais pas. Je pensais que c'était un truc de déverrouillage, mais non, c'était un truc d'explosion. Bon, c'est pas grave. Bon, on y va à l'arme, le gars. Oula, coriace celui-là. C'est un coriace celui-là. Voilà, ça c'est fait. On prend tout, hop. Ok. Putain, ça c'est un serveur. C'est bon, Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Pour des méchants, ils ont quand même du matos ultra haute qualité. Hein. Yvonne se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ses infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout. Maintenant, ramène-toi, Aiden. Thibaut a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive. Ça va pas être des plus simples, à mon avis. Oh, sa mère, te voilà, toi. Crispin ? Non, qu'est-ce que je raconte ? Pire, c'est ça ? Un seul homme toi, pour toute ton armée. Alors, je pense que tu peux la fermer. C'est toi qui me pourris la vie, connard ?
Parce que ça fait pas semblant en ce moment. Moi, je te le dis. Bouge pas, enfoiré. Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Et l'autre qui est en sniper, il va pas le piou. Tu viens fouiller dans mes affaires? Tu veux me niquer mes plans? Irak, ils sont tous dead. Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc. Putain, je te connais même pas. Allez, un petit combat de boss. Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. C'était la petite pute de Lucky Queen. Bon. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses, des frères et des sœurs. Oh putain. Je t'en fous bien, je t'en fous bien. Bâtard. Où est-ce qu'il est? Bon, le sniper, c'est raté. Putez-moi cet enfoiré! Putain, arrête plus d'attendre! Viens, viens, je vais... Oh. Putain, ça craint! Fils de pute! Ce qui craint, c'est quand même vous, hein. Avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros Richard qui demande qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles, mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir. Bon, là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de blabla. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Je vais pas te lâcher, fils de pute. T'es mort. Putain, comment il m'a instant kill, quoi. Je vais quand même envoyer une grenade dans la gueule. Je pense que... Voilà, mais au moins maintenant je sais exactement ce qui se passe. Beaucoup trop de blabla dans cette mission. Putain, bla 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 bla. Oh non, ne dis pas qu'il recommence tout depuis le début. Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. C'était la petite pute de Lucky Queen. Va chier. Va chier. Ouais, ouais. J'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein.
Putain, il me détecte aussi moi. Oh putain de merde. Oh, j'en ai marre de cette mission, trop de blabla. Pouh, maintenant je vais devoir me retaper son discours à la con. Putain. Oh, c'est chiant. Et oui, de proximité, j'en fais plus. C'est la merde, c'est ça. Tu rentres chez moi et tu veux voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux! Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Va chier. On peut pas passer. Non, on peut pas passer, donc faut pas que je me retrompe encore, parce que ces discours à deux balles, là... J'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés. On peut vraiment pas passer. Oh, putain. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses? Il connaît que ce mot là, bâtard, bâtard, bâtard. Reste pas, y'a personne qui va venir sauver ton petit cul. Ton sniper est neutralisé. Et la police viendra pas me faire chier. Ici, la police c'est moi. Tu vas crever tout seul. Putez-moi cet enfoiré. Avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles, mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. Allez, bouge, putain. Oh, il parle de trop, il faudrait qu'il y ait de l'action, c'est-à-dire qu'on tue des mecs et qu'en même temps ils parlent. Là ok, il n'y aura aucun problème, mais là... Oh, qu'est-ce qu'il blablate? Tu vas voir, je vais te faire la misère. Pas question de me faire fumer par une salle. Allez, meurs. Voilà, parfaite. C'est parfait, j'avais les munitions qu'il fallait pour. Je sais pas trop comment il a résisté à 4 grenades, mais bon. On va dire que... Hein. ...protégeait une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Mais il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il voulait la vidéo du Merlot. Il n'aura pas réussi à la retrouver. Les Viceroy ne mettront pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Quant à Bedbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. Est-ce qu'il est vraiment mort? Bon, bon, bon. L'acte est terminé, je pense. Hein. Je pense qu'ici, on a bien avancé, bien fini tout ce qu'on pouvait faire. Récompense, progression. On a fini. Hein. Après, c'est oui, il nous reste 9 missions. Alors là, les 8, ça va aller assez vite. Mais la dernière, une seule. Tu fais pas mal de bruit, mais tu progresses au moins. Je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois que si.
On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pas une faiblesse de l'admettre. Sois honnête. Sans moi... Bon, on va aller retrouver ce putain d'enculé qui est en plus au bunker. Ah bah dis donc. T'aurais pas les données. Et tu les as. Et je reviens en train de... Hop, les amis, mais bon, que voulez-vous, ce sont les aléas du métier. Hop. C'est par là que ça se passe. C'est beaucoup plus facile par mon petit raccourci là. L'escalade de la violence atteint de nouveaux sommets et les criminels utilisent désormais du matériel militaire. La mairie a envoyé une équipe d'intervention pour nettoyer la zone. Avant tout, je tiens à exprimer ma compassion envers cette communauté déjà meurtrie par les criminels. Je promets aux citoyens de Rossi vraiment que je nettoierai leur quartier. Grâce au miracle du City OS, les forces de police peuvent désormais repérer les zones dissimulant de nombreuses armes. Messieurs les criminels, vous êtes prévenus. Inutile de vous cacher. Oh putain, j'ai bien fait de déguerpir à... vite fait, hein. Hop, donc, suite de nos aventures. Allez, c'est parti. Hé, hey, t'as vu ça? Bon boulot, non? Hayden, il y a tellement de trucs. Il y a plus qu'à passer toutes ces infos, pas une fin. Ouais, bah t'as de la veine. Parce que dans ce merdier, les noms, c'est pas ce qui manque. Et ils sont tous liés à des trucs illégaux. Des flics pourris, le club, des manias de la finance, il y a même des notables bien sous tout rapport. Irak voulait faire chanter toute la ville. Hé, attends, c'est quoi ça? Ça vient du serveur? Merde, quelqu'un essaie de nous hacker. Oh putain. On perd tout. Allez, mine-toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Remonte son signal. Si on localise la source, on peut bloquer son accès. Allez, groule-toi. Ok. Des séries de malware. Voilà. Oh putain. J'arrive pas à le bloquer. Vite. Il désactive notre système de protection. Ok, hop. Hop. Oh putain. Je sais pas qui c'est, mais à mon avis, ça ressemblerait à du default. C'est un hacker qui marche au contrat. Un vrai connard, quoi. Enfin, c'est quand même un pro. Bon, on va s'occuper zone par zone. Ok. Voilà. Voilà. Tu sais qui c'est? C'est lui. Le default. Fils de pute.
Oh putain, on s'est fait pirater. C'est qui ça, Clara? Il a l'air de te connaître. Je sais pas, je sais. J'en sais rien. Je vais le lire. Non. C'était pas trop difficile de les retrouver. Deux hommes, un hacker, un fixeur. Enfin, on dirait. J'ai jamais entendu parler d'eux. Je peux t'expliquer. Je voulais te le dire. Qu'est-ce qui va leur arriver? Depuis quand ça vous intéresse? Le tarif est plutôt convenable. On était d'accord. Damien Brice et Hayden Pierce. Hayden! Quelqu'un s'infiltre. Clara. Hayden, il essaie de tout effacer, là. Faut le dégager, et vite! Hayden, dépêche! Préparez-vous! Je coupe la lime! Hayden. Qui c'était? Qui a donné l'ordre? Je savais, je te le dirai. Je te le promets. Je suis vraiment désolée. Je veux plus te voir. Oh putain, la salope quand même. Oh merde! Tu peux me tracer ça? Ouais. Ouais, je m'en occupe. Fais chier. Allez, merde! Allez! Bordel! Hé, hey, où tu vas? Cet enfoiré, il vient de nous coller un putain de virus. Il a copié tout ce qu'on avait. Il a tout effacé sur nos systèmes. Il savait exactement comment nous avoir. Je dois aller relancer la tour de backup. Sans elle, pas de default. Et sans default, pas de données. J'y vais. Non. Laisse-moi, c'est moi qui y vais. J'ai pas peur de me salir les mains. Écoute-moi, Hayden. Tu vas devoir retarder Damien, au moins pendant un moment. Damien, j'en fais mon affaire. Je t'appelle dès que j'ai fini. Bonne chance, mon frère. Ah bah putain, retournement de situation. Et c'est en tout cas là-dessus que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Voilà, première mission de cet acte 4 avec retournement de situation, etc. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Wazlock. Allez, bye.